Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCoolOMike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de détruire des ordinateurs et des appareils des 7 pour obtenir des micropuces. Alors il faut savoir qu'il y a extrêmement beaucoup d'emplacements pour réaliser ce défi. Donc il y a un emplacement qui se trouve ici, c'est tout simplement un avant-poste des 7. Il y a un emplacement d'avant-poste des 7 qui se trouve ici. Il y en a un qui se trouve ici. Voilà, ici. Il y en a un autre qui se trouve ici à la Synapse Station. Ensuite, il y en a un autre avant-poste qui se trouve ici. Avant-poste D7. Attendez, j'ouvre mon parachute. Voilà. Il y a un autre avant-poste qui se trouve ici. Sanctuaire. Un avant-poste qui se trouve là. Un autre avant-poste qui se trouve ici. Enfin là, je sais pas si c'est un avant-poste, je pense pas. Mais il y a un emplacement là aussi. Il y a un emplacement ici. Donc ça, c'est un avant-poste D7. Et là, je vous ai montré tous les emplacements. Donc moi je me retrouve où ici? Donc je suis près de Synapse Station. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller ici à l'avant-poste D7 qui se trouve là. Et je vais aller interagir, enfin détruire un ordinateur et des appareils D7. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir réaliser le défi en un seul lieu dit, en un seul emplacement. Parce qu'en fait il va falloir détruire 3 ordinateurs ou appareils pour obtenir des micropuces. Donc il vous faudra 3 micropuces pour terminer le défi. Alors je ne sais pas si en détruisant plusieurs appareils électroniques dans l'avant-poste D7 à cet emplacement, je ne sais pas si je vais obtenir 3 puces directement. Donc on va voir, de toute façon je vais tester, mais c'est possible que je les obtienne. Donc là vous rentrez dans le bâtiment, bon là il n'y a rien, ok, donc dans ce bâtiment là il n'y a rien. On va aller là où il y a le coffre fort, je ne sais même pas s'ils ont laissé des chambres fortes, qu'on va voir, hein. On va descendre au sous-sol pour voir. Et oui, il y a toujours les chambres fortes. Donc ça, c'est cool. Donc là, je dois détruire des appareils, des ordinateurs ou des appareils des 7. Donc je sais pas si ça, c'est un appareil. On va tester. Donc là, non. Là non plus. Est-ce que ça, ça en est? Non. Non. Ok, donc ça, c'est tout simplement des contenants. Je ne vois pas d'appareil de 7. Donc je vais sortir. Et je vais chercher après un appareil. Peut-être par là, en fait. Je ne sais pas. Je cherche, mais j'en trouve pas. Ok. J'ai trouvé. Regardez, ici, j'ai obtenu une pièce, une micropuce. Et en fait, regardez ça. Les appareils, en fait, c'est par exemple les antennes. Donc là, l'antenne, si, parce qu'il y avait une antenne qui était juste ici, je l'ai détruite et ça m'a donné une puce. Donc là, si je détruis cette antenne, regardez, ça me donne une puce. Donc tout ce qui est antenne, bah, vous les détruisez et vous obtiendrez les puces. Donc je crois que c'était des ordinateurs. Bah, si vous voyez des ordinateurs, vous aussi, vous pourrez aussi les détruire pour obtenir une puce. Hein. Mais là, il n'y avait pas d'ordinateur au lieu dit où j'étais. Enfin, au lieu où j'étais, donc c'était assez bizarre. Peut-être que l'éolienne, là, c'est un appareil des 7. Peut-être que ça va me donner une puce, on va voir. Donc, par contre, celui-là, il a blindé de vie. Ok, on y est presque. Voilà. Hop, et regardez, là, j'obtiens ma puce, ma micro-puce. Et là, je vais pouvoir obtenir les 3 directement dans ce lieu-dit. Donc, vous avez juste à aller à un avant-poste D7, détruire les objets électroniques comme je viens de le faire, récupérer 3 puces, et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.